Ça commence mal. Sinon, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur Outward si il veut bien se lancer, évidemment. On va faire ça sûrement en deux sessions, donc on va commencer maintenant. On fera une petite pause pour aller manger, parce que bah, il faut bien manger. Et puis on reviendra certainement en début d'après-midi. Donc voilà. On va essayer de faire une session un peu plus longue, mais en deux parties. Comme ça, bah, on pourra s'étendre un peu plus sur le sujet. S'il veut bien se lancer. Ici ça fonctionne. Continuez. Et voilà. Les régions sont. Seules les courtes vous permettent de transporter de l'eau. Elles sont essentielles à l'exploration et il peut être utile d'en avoir plusieurs. J'aime bien lire un peu les petites astuces comme ça. On découvre parfois des mécaniques de jeu qu'on n'avait pas vraiment anticipées. Donc on se retrouve avec notre personnage armé de son fier gourdin et de sa plaque de bois rafistolée. Alors je suis dans le village de départ, je sais qu'à un endroit sur la plage, il y a moyen de trouver une machette. Donc je vais aller changer mon gros gourdin contre la machette, accélérer un peu. Peut-être engainer, ça ira plus vite. Alors passer d'Apex à Outward, j'ai envie de faire des glissades en descente. Ça va être difficile à réfréner. Alors, où est la plage? Elle est là-bas. Alors, si le jeu est identique, ouais, effectivement. Hop, on va prendre la machette. On va pouvoir comparer un peu les dégâts. Alors, au niveau de la machette, on est à 12 de dégâts, 12 impact et 1,2 de vitesse d'attaque. Et le gourdin, impact, un meilleur impact logique, une meilleure enfin, une vitesse d'attaque identique. Vu que le sort que j'ai, c'est vis-à-vis des gourdins. Bon, on va rester en gourdin, mais au moins je sais que j'ai une machette pour venir m'épauler au cas où. Alors, le but de cette partie-ci, donc c'est de remplir le premier objectif qui nous avait été donné en commençant la partie, c'est de trouver soit 120 pièces d'or en ben maintenant 3 jours, ou alors de trouver une faveur tribale. Donc, j'ai un peu été chercher pour voir comment accéder à la plage, donc on va y retourner maintenant. Parce que je sais que d'après le personnage qu'on a croisé hier, donc avec qui on était parti en aventure maritime, il a une cache secrète pas loin, au niveau de la plage, là où il y a l'épave de bateau. Donc on va se diriger jusque là-bas. Sur le cadavre ici, c'est celui de la hyène que j'ai déjà tué, donc bah, elle est un peu morte. Ok. Donc là j'ai l'icône comme quoi je suis reposé. On va en profiter un maximum. Hop, j'en ai encore pour quelques minutes. Nickel, allez, on se groupe.
ici il faut faire assez attention parce qu'il y a deux hyènes et... Ouais, sauf que... Ça, il faut que j'aille relire ce que ça fait exactement. Parce que si j'ai bonne mémoire, il faut que je bloque... Bloquer une attaque élémentaire pour en imprégner votre arme. Ouais, sauf qu'une hyène, ça n'utilise pas d'attaque élémentaire. Et vu que je n'ai pas d'attaque à distance... Hop, purée, un poulet. Et c'est qui m'attaque en plus. Oh oui, c'est moi qui vives. Allez, viens, ramène-toi. Va te bagarrer avec... Merci. Les hyènes sont sur le poulet, mais le poulet n'en a strictement rien à faire. Alors... Non, c'est pas le moment d'attaquer. Alors, il y a un autre poulet agressif. Alors, je vois qu'il y a des débris d'épave dans cette direction. J'ai pas trop envie de me friter avec les monstres pour le moment, parce que je ne me sens pas vraiment en sécurité avec un bout de bois comme ça et juste un gourdin, donc on va essayer de se la jouer discretos. Ça sert strictement à rien. Et on bourrine. Voilà. Ok, ok, ok. Œuf de larve, coquille d'insecte. Je m'en suis mieux tiré quand même. Qu'est-ce que j'avais pensé? Est-ce que l'enchant de mon arme, ça a l'air de durer. Maintenant, est-ce que je peux voir combien de temps ça va durer? Parce que si c'est en permanence, c'est encore mieux. Ce cadavre porte l'uniforme des marins de Sierzo. Les blessures indiquent que les crevettes pistolets l'ont eu. Zut. C'était ma solution. Ok. Bon, on va devoir trouver une autre solution. J'ai un gourdin en bois qui produit de l'électricité, c'est tout à fait logique. Résistance aux impacts, moins 20%. Ok. Ah si, ça dure encore 65 secondes. Accéder à la ville en passant par ici. Avec le temps, la nourriture pourrit. Mangez ou cuisinez votre nourriture avant qu'elle ne pourrisse. Rimpio. Alors, où est-ce que je suis? Ouais, modifier un peu les équipements.
si je peux m'en passer. Lacération de dague. Ça, à la limite, je pourrais en acheter une. Ça va être dangereux à équiper quand même. Ouais, on va s'en passer pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais utiliser des bandages? Je sais pas si en combat ce sera vraiment très pratique. Et de l'eau. Sauf que on sait pas venir par ici. Youpi. Alors, à savoir que quand j'équipe ma torche, je perds mon bouclier. Très important à savoir si jamais je dois déséquiper ma torche. D'où l'intérêt d'avoir la lanterne suspendue au sac, que je ne peux pas encore faire parce que mon sac ne peut pas porter ma lanterne. Comme c'est pratique. Donc ici, la faveur tribale que je pensais récupérer, je n'en aurai pas, vu que le personnage est décédé. Donc je vais devoir trouver quelqu'un d'autre à aider, ou arriver à farmer 120 pièces d'or en 3 jours temps de jeu. Ce qui me paraît fortement improbable. Beaucoup d'endroits sont sombres et nécessitent l'utilisation d'une lanterne ou d'une torche pour vous éclairer. Ce type d'objet s'éteint après un certain temps. Utilisez la fabrication de survie pour combiner l'huile avec une lanterne pour remplir celle-ci. Ah, donc il faut passer par l'onglet fabrication. Ok, bon. Je peux continuer sur la plage. En me dirigeant au sud, peut-être que je vais tomber sur la vraie épave. On va continuer par là. De toute façon, a priori, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai de quoi me défendre. Donc, on peut partir en expédition. Enfin, en expédition entre guillemets, hein, parce que faut éviter les poulets, quoi. Je parle des poulets qui sont là-bas. Qu'est-ce que c'est qui flotte là-bas? Serait-ce une crevette? Ah ouais, là il y a un petit bug. Trop fun. J'espère que je pourrais la taper si je... Ah ouais, bah ça va, elle est redescendue au sol. On a réussi à le faire une fois, on va réessayer de le faire. J'ai pas ma vie au maximum. On va devoir gérer un petit peu mieux. Kikou. Ouf, 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 je suis mort. J'ai géré comme un bleu. Elle a une sacrée cadence de tir, hein, cette bestiole. Les pièges sont très utiles. Il vous faut déployer un déclencheur, comme un fil de détente au sol, puis y placer un objet compatible, comme des pics ou des armes. Il faudra qu'on teste ça une fois. Dans votre défaite, hein, alors que la douleur vous fait perdre connaissance, quelque chose se dresse devant vous pour vous défendre. Une voix glaciale transperce la douleur. Êtes-vous en vie? Répondez. Vous vous réveillez des heures plus tard, vous redressez la tête et apercevez une forme du coin de l'œil. C'est une bête bipède, monstrueuse, aux veines rouges saillantes. Oh, ça va. La créature, doit vous avoir sauvé. Vous la voyez lire un livre qu'elle tient entre ses griffes et fait résonner un rire étouffé. Vous perdez connaissance pendant plusieurs minutes encore avant de vous lever pour de bon. Il fait tout noir.
ça doit être mon sac à dos. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Alchimie, potion de froid. On enseigne comment fabriquer un objet consommable avec l'aide d'un kit d'alchimie. Potion de résistance élémentaire, puissant mélange qui procure une résistance moyenne temporaire aux dégâts de feu, givre, décomposition, foudre et spectro. Oh, pistolet à silex. Pistolet de base qui nécessite la compétence tirer et recharger. Il est essentiel de verrouiller les ennemis pour pouvoir tirer avec les pistolets. Ouais, je prends, on va essayer. Du bois, ça peut toujours être intéressant. Chiffon de glace. Ça peut être toujours intéressant aussi. Le harpon, j'ai pas spécialement envie de pêcher pour le moment. Extraire veine de fer. Mais il est où l'ami? Ok, je suis tout seul ici. Alors. Sauf que cul, ça va poser un petit problème. On va aller changer ça. Paramètres, raccourci clavier. Donc, ZQSD, ok. Maintenant, dans les boutons ici, on va changer, on va mettre le bouton. Ah. ER, ok. Est une section du menu servant à indiquer vos tâches suivantes. Salut à toi qui passe sur ma chaîne. Sauf que le pistolet prend la place du bouclier. Ok, d'accord, j'ai compris. De toute façon, pour le moment, je n'ai pas de munitions, donc ça sert à rien de l'équiper. Laine de fer, ok, c'est des lignes rouges. Nous a mis juste là. On va en profiter qu'on est en pleine journée pour essayer de se repérer un peu. Donc, je suis face à ceci. Maintenant, je suis face à ceci. À partir d'où? Ça, c'est un autre souci. Parce que pour pouvoir rentrer à Sierzo, je sais même pas par où me diriger. Ici, il y a deux ponts. Pas facile de se diriger quand t'as pas de pointeur sur ta carte. On est tôt au matin, donc j'ai un petit peu de temps pour retrouver mon chemin. Le mieux ce serait de retrouver une route. On va éviter d'aller là. On va partir dans une direction et on verra bien où ça nous mène. C'est ça l'aventure. Plus qu'un
pack de 2 yens, je vais éviter de me les farcir parce que ça va être difficilement gérable. Hein ? C'est quoi ça là-bas ? C'est le camp de bandits. Ok. C'est pas vrai. Je comprends pas encore très bien le système de vie parce que j'ai de la vie qui est réservée. Enfin, je comprends pas trop. Donc là, je suis de nouveau mort et en plus, j'ai perdu mon sac. Super. Un peu tout ça parce que je me prends plus de dommages qu'autre chose. Ok, ok. L'avantage c'est qu'elle a récupéré ma sacoche et que j'ai donc tout ceci. Donc, on va profiter pour aller se reposer. Il est quelle heure? 7h34, ouais, donc on va aller récupérer nos affaires, on va dégager la blessure. Douleur, résistance physique, 2-25%. On va attendre que ça passe. Sérieux? Ah putain, j'ai plus de chez moi quoi. Ils servent de mon phare quoi. Ouais, mais j'ai toutes mes affaires moi là-dedans. Oh là là là, ça sent mauvais quoi. Je fais plus mourir qu'autre chose et j'ai même plus de camp de base. Je devrais aller me trouver un truc à l'auberge. Ça va me coûter de la thune. La thune que j'ai plus. Quelle est l'auberge? Alors, l'alchimiste, c'est pas lui. Is there something you need? Ah là, j'ai plus rien, moi. J'ai même plus accès à ma. Oh. Bon, allez, c'est pas grave. C'est l'aventure. C'est quoi ça, œuf de larve? Je vais le refourguer. Ça je garde. Ça c'est du narvet. J'ai plus de camp de base, donc ça sert à rien que je cuisine. Ok. Ça va bientôt périmer. On dégage. Ça tient bien. Poteau feu de pirate. Elle a l'air de tenir aussi, mais il me faut du pain pour l'utiliser. Confirme.
confirmer la transaction. Et voilà. Donc ça c'est le commerçant d'Oran, ça c'est l'alchimiste. Donc là je suis en train de regarder l'alchimiste. La carte inversée. Ah, je suis nul en repérage. C'est l'auberge. Ça c'est le forgeron. Je suis contente que vous ayez survécu au naufrage et je vous présente mes condoléances. Je sais à quel point vous comptiez sur cette expédition. Cette épée lumineuse et nouvelle, d'où vient-elle? Oh, je la veux. Salut, toi qui passes sur ma chaîne. Rufus me l'a commandé comme cadeau de départ. J'allais partir ce matin pour rejoindre la mission divine des Lattes avant que ma mère ne m'arrête. Moi aussi, je veux bien partir et avoir une jolie épée qui lume. Votre mère ne vous laissera certainement pas partir sans vous faire le moral. I know. Risa has already promised me that she and I will be having a... I know. Farewell, my friend. Ok. Pour le moment, ça n'impacte rien. Bon, je n'ai toujours pas trouvé cette auberge. On va aller voir le gros bâtiment là. Ça c'est les entraîneurs, donc en fait je suis déjà ici, il faut que j'aille à l'autre bout. Ok, ça va, je commence à me repérer. Plus ou moins. What is it? The customers have been talking. Comment se passe le paiement de... Ouais, ça se passe assez mal parce que j'ai plus de thunes. Vous avez intérêt à trouver l'argent si vous ne voulez pas perdre votre foyer. Oh, cela me rappelle qu'Hélène Turnbull est passée en disant qu'elle cherchait à engager quelqu'un. Bien, un boulot pour un mec compétent. I'm always interested in curiosity. What have you got? Genre. Alors j'ai un truc qui... Tu pourrais... Je vais vite répondre au téléphone.
Alors, il se trouve que j'aurais besoin d'une personne aventurière et impétueuse. Oui, dites-moi, vous ne reculeriez devant rien pour de l'argent? Si. C'est bien l'argent. Je veux bien risquer ma vie si la paye en vaut la peine. Je cherche un champignon rare en particulier qui ressemble à un bouclier. J'entends dire qu'il pousse dans le terrier purulent au nord de Sierzon. Vous ne pouvez pas le rater, ses caractéristiques principales sont sa taille immense et sa couleur rouge. Je vous paierai 70 d'argent pour ce champignon. Allez, on ne se pose pas de questions. Make sure you have a good weapon, a lantern, and plenty of supplies. D'accord. Ok, une bonne arme, c'est pas le cas. Une lanterne, j'en ai une, mais elle ne va pas durer. Beaucoup de provisions, c'est mal parti. Ok, donc les trois. Ok. Pour atteindre le terrier purulent, sortez de la porte principale de Sierzo, puis suivez la route de gauche. À l'intersection suivante, celle avec la porte en bois, tournez de nouveau à gauche. I'll see you. Ok, donc elle m'a envoyé direct dans une mission suicide parce que j'ai pas du tout le matos qu'il faut pour. Alors, on va voir un peu. Un journal de quête, appel à l'aventure. Ça, c'est la quête principale. Naufrage, reposez-vous dans l'un des sacs de couchage du camp. Trouvez quelqu'un qui peut aider. Ça, c'est celles qui sont complétées. Quête mineure, obtenir de la mana, aller au centre de la montagne confluse dans la pour obtenir de la magie, cela requiert un sacrifice permanent de vie et d'endurance. C'est déjà vachement moins fun, tout d'un coup. Et le champignon. Ah, donc en fait, la quête que mon acolyte m'a filée, c'est pas une quête. Je me suis fait eu. Bon, il faut que j'aille réparer mon matos. Ça va me coûter de la thune, ça. Moi, j'en ai besoin. What is it? Money on the counter. 25 d'argent. Ouais, non, laisse tomber, je vais dormir dehors. T'es, ce jeu est punitif en termes d'argent, quoi. Bon, j'ai pas trop le choix, on va devoir partir à la vanoture. Est-ce que je peux pas me crafter des trucs pour me soigner? Parce que. Il me faut du tissu. Je vais aller voir si le vendeur a pas du tissu. Parce qu'il faut absolument que je me crafte des trucs, quoi. Salut Fluffilico, ça va? Is there something you need? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Il me faut du tissu. C'est à peu près ce que j'ai fait aussi, comme je streamais un peu. J'ai vu le jeu me plaisait bien. Donc depuis j'ai arrêté d'aller voir les autres streams, parce que sinon ça allait me spoiler un peu. Mais le jeu est sympa, c'est toute une autre dynamique par rapport à ce qu'on connaît, donc c'est sympa. Et là je suis très mal parti. Je suis à la quête principale du départ et... Et c'est mal parti. Bon, ça me coûte combien? Ça me coûte 1, je vais tout prendre, on va faire des bandages à la pelle parce que... Ça on s'en fout. Ça je saurai pas de toute façon maintenant. Je n'ai plus de sac de couchage, je vais en prendre un. Ouais, ça coûte cher. Ah ouais, d'accord. C'est vachement encourageant, merci. Ouais, mais il faut prendre le jeu en main, mais le jeu, il te met directement la pression dès le départ, tu vois. T'as un timer de 5 jours, et puis il faut cavaler, quoi. À chaque fois que je sors à l'extérieur, je me fais buter direct. Il faut prendre en main le jeu. Mais sinon, j'aime bien.
Là, j'ai déjà même plus accès à mon chez moi. Je suis obligé de vivre comme un vagabond. La première fois que j'ai eu un mauvais start, donc j'ai juste voulu recommencer. La deuxième fois, je suis mort d'un rhume à 3 mètres de la mairie. Waouh! Avant de rendre la dette, et j'ai perdu mon phare à cause de. Ah non, ça c'est con ça! Ça, c'est ballot. Bon, avant de partir à l'extérieur, on va fabriquer un petit peu. Hop. Je peux m'en faire que deux, c'est un peu con. En plus de perdre environ 150 gold. Ouais, non, mais déjà respect, parce que t'arrives à farmer ça. Respect. Je me traîne, hein, je me traîne. Alors, petit tip dès le début, achète un meilleur sac au marchand, 25, ouais, 25 d'argent, tu pourras y accrocher ta lanterne. C'est un peu mon objectif, sauf que depuis que, bah, que je n'ai plus accès, comment dire, depuis que je n'ai plus accès à mon phare, j'avais placé un peu consciencieusement mes économies dans mon coffre qui se trouve dans le phare, mais je n'y ai plus accès. Oui, c'était un peu mon premier objectif d'achat, tu vois, c'était que j'arrivais à avoir mis un peu de côté, je voulais m'acheter un sac un peu plus compétent et pratique, et ben oui. Donc va falloir que j'aille farmer, racheter de l'argent, enfin vendre pour récupérer l'argent. Merci, GG. Il n'y a aucune gloire. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il est. Il est tout courbaturé mon gars, je comprends pas. Là. Pourtant j'ai pas d'effet négatif, mais j'ai l'impression de subir ma vie, quoi. Ah ben j'aimerais bien arriver jusque là. Là je pense que ça va être mon. Là je suis au deuxième jour, donc il me reste encore 3 jours. Bah ouais, ma barre d'endu arrête pas de baisser, mais je comprends pas pourquoi. A priori je suis pas fatigué. Je comprends pas encore toutes les mécaniques, hein, parce que ça fait partie de la découverte du jeu. Et même si j'ai fait le tuto, ça explique pas tout. Par contre, du coup, je suis en train de me lancer à l'aventure sans avoir résolu mon problème de barre d'endurance, ce qui est peut-être pas spécialement la chose la plus intelligente. Si tu cours, tu te fatigues, logique, et en plus tu es lourd, plus ça baisse. Ce serait parce que je suis trop lourd. Non, 7,9 sur 25, 8,9 sur 15, ça a l'air d'aller. Farmer un peu les mobs solitaires pour essayer de choper des trucs. J'aimerais bien retourner sur la plage. Attends. Je sais que sur la plage il y a la sortie de la réserve de Sierzo. Donc je vais aller passer par l'entrée qui se trouve dans Sierzo. Je fais beaucoup d'allers-retours, hein, par contre. Repose-toi une heure dans ton sac vite fait, la barre a l'air bloquée. Ouais, ok. Hop. C'est vrai que j'ai acheté un sac de couchage, donc à faire autant en profiter.
Ok. Mais bizarrement, pour le sommeil, j'ai pas d'indicateur particulier. C'est juste que ma barre d'endurance a tellement baissé que je dois constater que je suis fatigué. Ok. Hop. Troisième onglet. Les onglets sur le côté gauche ou les onglets. Ah ouais, celui-ci. Sommeil, je suis à 78%, boisson 86, nourriture 76. Ouais. Bon, on va se reposer un petit peu quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok, je viens de comprendre. Ouais, donc faut vraiment que je me repose un peu plus. Ça explique pourquoi j'arrête pas de mourir en fait. C'est gentil de m'avoir fait remarquer ça. J'aurais pas été bien loin à l'extérieur. Nickel. Ça marche. Non, je veux pas utiliser le sac. Ok, maintenant que je suis revenu à une santé efficace, le problème c'est que j'ai pas spécialement envie de me friter la nuit vu mes conditions d'éclairage. Donc je pense que les 3 heures, on va profiter du temps qu'on a pour faire des réparations. J'ai mis la luminosité à fond, finalement c'est pas si mal, les grottes restent ultra sombres mais on voit bien la nuit. Ouais, moi j'ai pas encore touché à ce paramètre là, je me dis que ça fait partie un peu de l'explo. Maintenant c'est vrai qu'au niveau de lisibilité, tant que j'ai pas des torches ou des lanternes qui éclairent bien, ça va être assez pourri de jouer la nuit. Donc ici je vais profiter qu'on est tôt le matin pour runner un peu. Bon, on va refaire le plein de flotte. Ah, ça fait du bien de pouvoir courir sans se traîner après 20 mètres quoi. Ouais, c'est ça, je voyais pas non plus à 5 mètres. Ok, c'est parti. Bon alors maintenant on va aller passer par la réserve, si ça tombe, il y aura des trucs à looter, ça peut toujours être intéressant. Ouais, mais il y a quand même le côté, il y a côté le roleplay aussi, hein, parce que je veux dire, si au final,
Je veux dire, la dynamique avec tout ce qui est lanterne accroché au sac, torche et tout ça, bah, je veux dire, c'est assez sympa à jouer tel quel, donc autant en profiter. Maintenant, c'est clair que si j'ai trop de phases en nocturne et que j'ai pas du tout de matos pour éclairer, là je vais passer à une autre luminosité. Bah, vu que pour le moment je joue pas énormément de nuit pour cette raison là, bah. C'est toujours une lanterne ancienne. C'est vrai ? Ah, je sais pas, je sors jamais la nuit, moi. Attends, on va changer la luminosité. Alors, ça doit pas être ici. Ça gâche pas trop l'immersion. Sac de couchage, j'en ai déjà un. Ouais, du pain. J'ai bien fait de passer par ici. Ouh, il y a une grotte. Alors, tas de déchets. Bois, une hachette. Armure de pillard. C'est vrai. Tu as raison. Donc j'ai des flèches, super. J'ai une hachette dégâts 13, impact 13, vitesse d'attaque 1.1. Ah, donc elle est plus rapide à l'utilisation. Hop. Elle a une plus grosse longévité aussi. Alors. Résistance 6, résistance aux impacts 11, protection temps froid 7, 8, 10. Ouais, j'ai les poches en bonus quand même. Sac surchargé, tu m'étonnes. Après, si tu veux rajouter de la difficulté, tente la lumi au minimum. Tu seras peut-être avec. Oui. Je tenterai l'aventure en mode aveugle quand j'aurai maîtrisé entièrement le jeu et que je serai arrivé à la fin. Ça pourrait être effectivement marrant. Non, qu'est-ce que tu fais? Hop. Je pourrai bientôt commencer à jeter mes affaires. Dans mes poches, donc je suis en surpoids. Moi, ouais, c'est ça quoi. La première hyène qui passe, moi je me fais dessus quoi. Ok, bon. Le seul souci, c'est que ça va être un peu chiant. Je vais remettre celle-là. Ça me refait de la place dans mes poches. Ça, à la limite, je vais le décraft. Et ça me fait du tissu, donc je peux faire des bandages. Ouais, les crevettes, c'est vrai que elles spamment leur attaque à distance, mais quand t'arrives au corps à corps, enfin quand t'arrives à arriver au corps à corps, elles sont un peu plus faciles à gérer. Et ici, comme moi, j'ai commencé avec le gourdin. Que je viens de changer, donc je perds cette aptitude là. J'ai la possibilité d'enchanter mon gourdin avec un dommage élémentaire que je viens de bloquer. Donc c'est vrai qu'à ce niveau là, le gourdin est sympa. Mais j'ai tenté tantôt,
La première est passée nickel, j'ai perdu pas mal de vie. La deuxième, c'est un peu plus compliqué vu que j'avais plus beaucoup de vie et que j'avais plus du tout de tissu. Mais sinon, c'est gérable. Quand t'es full life, que t'es tranquille et que tu sais que tu vas faire que ça, c'est encore gérable. C'est vrai que c'est un jeu qui pardonne pas. C'est ça, c'est assez punitif, c'est vrai. C'est vrai que ça éclaire bien mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, les champignons. Ah, je pensais que ce serait bêtement une ligne droite et là je me retrouve. Ce moment où tu meurs, te réveilles dans un Nidienne réussi. Il y a un truc qui se dirige vers moi. Oh merde, c'est quoi ça? Non, sérieux? Il y en a d'autres qui arrivent. Ah merde. Je pensais pas que c'était occupé cette zone. Non. Ça va, on s'en est pas trop mal sorti. Trident de troglodyte. Ah oui, l'inflammable, nickel. Ça va peser un peu lourd. Dégâts 16, impact 14, vitesse d'attaque 1, durabilité. Je pensais que c'était juste une caverne qui reliait à la plage et que c'était la réserve. Je pensais pas que j'allais me retrouver à devoir me taper avec des troglodytes un peu space. Ça, je vais le jeter parce que sinon ça va. Alors, on mange un petit bout. Et se soigner. C'est que ça allait être bêtement une ligne droite, moi. C'est une quasi ligne droite, ouais, merci. Ah ouais, donc c'est ce passage-ci qui mène à la sortie.
j'avais pas vu le squelette, hein, sinon j'en aurais profité. Danger, si vous avancez, vous serez coincé dehors et vous devrez revenir au village à la marche. On va en profiter pour aller explorer un peu plus. Maintenant qu'on sait où est le chemin. Ton idée de passer la luminosité en un peu plus forte, elle est pas mal. Franchement, ça permet d'apprécier le jeu un peu mieux. Parce que ça n'enlève rien à la difficulté au niveau de la luminosité. Je suis trop balèze, moi j'arrive à utiliser ma pioche d'une seule main. Ça permet de jouer, effectivement, ouais. J'ai fait le tour. D'accord, t'as envie de jouer? Attends, je vais supprimer ma torche parce que sinon ça va me coûter. Alors, minimum. Non, qu'est-ce que. Stop. Paramètres. Luminosité. Boum. Ouf. Là, on se croirait dans Dark Souls. Ouais non, je préfère la version un peu plus lumineuse quand même. Ouais, j'ai peut-être mis trop fort par contre. Oh non, c'est plaisant. Bon, j'en étais où? Non, je parlais de Dark Souls au niveau du grain de l'image quand j'étais en très, très sombre au niveau du grain de l'image, parce que ouais, enfin, au niveau de Dark Souls j'ai pas spécialement joué, mais ce que j'en ai vu, c'est pas vraiment en termes de luminosité, c'était vraiment au niveau du grain de l'image. Là, on retourne plus sur un mode cartoon quoi. Enfin, c'est pas vraiment du cartoon non plus. Attends. Ça. Voilà. Bon, désolé pour la toux. Je me remets tout doucement d'une angine. Ok, je suis ici. Déjà vu une épave dans le coin. Ben en fait il y a un bout d'épave là-bas avec un mec qui, s'il était encore en vie, me permettait d'obtenir une faveur tribale. Je vais te montrer. Parce que j'ai refait une partie un peu en off pour explorer un peu le jeu, pour être un peu plus cohérent dans ce que je faisais en stream. Donc
À part ce mec-là, non. Maintenant, j'ai pas encore été exploré derrière moi. Tu vois, ici, le mec-là, dans une partie, il était en vie. Dans cette partie-ci, bah, il s'était fait poutrer par des crevettes. Mais ça ressemble pas vraiment à une grosse épave. Donc je me suis dit, peut-être qu'en continuant sur la plage au sud, il y aurait moyen de tomber sur une grosse épave. Tirer un peu trop. J'ai plus grand chose à manger. Non, mais je vois, c'est le mec sur la plage avec sa grande cimeterre qui était censé être ton partenaire pendant l'expédition maritime. Il m'a effectivement dit qu'il avait une réserve d'argent pour pouvoir m'aider à payer ma dette. Maintenant, depuis le début de la partie, j'essaye de trouver ça. Il faut se diriger au sud du village. Donc voilà, j'essaye de la trouver. Maintenant, ici, je suis assez bien parti, donc je vais essayer de pousser plus en avant. Je mange la confiture comme ça, quoi. Je dois être plus simple en coop quand même. Je me demande si plus tard dans le jeu on peut pas recruter des PNJ. C'est une excellente question, mais le jeu d'après ce que j'ai compris est fait justement pour être joué en coop, puisque c'est un RPG assez compliqué. Et je veux dire, quand tu crées ta partie, ou même pendant que tu es en partie, tu peux inviter des gens. Donc je pense que la dynamique de base, et de la plupart des streamers que j'ai vu, c'est ce qu'ils faisaient, ils jouaient en coop justement. Fun, quoi. Bon, par contre, je me dirige toujours au sud, mais je vois toujours pas d'épave. On va continuer un peu. Un scarabée de gravier, qu'est-ce donc? Ah, c'est une nourriture. Scarabée trouvé dans les minerais et dont la résine renforce le corps contre les impacts. Fais ça. Tiens, c'est marrant, je vois plus ma barre de température. Là-bas, il y a un port. Y accéder par ce côté-ci. Bon. Est-ce que pour notre compagnon d'infortune, son épave, c'était juste les 4 bouts de bois qui restaient là? Je ne saurais pas dire.
Oui. Ah, elle a peut-être été ravalée par la mer. Bon, je veux pas me la jouer Warrior quand il y en a deux. Moi, je les esquive parce que j'ai pas. Je vais pas me friter avec deux crevettes en même temps, parce que là, t'imagines pas comment ça va canarder dans tous les sens. J'aurais même pas le temps d'esquiver une attaque électrique. Puis c'est quoi des mobs pareils quoi? Elles balancent des boules d'énergie. En fait, de base, les poulets, je me méfie toujours, hein, parce que depuis certaines parties de Zelda, j'évite de trop latter les poulets, parce que ça peut être vite dangereux. Ah, armure de pierre, costume en loque et une torche. On va vérifier qu'ils sont pas meilleurs. 6, 10, 11... C'est de la merde. Ouais, mon objectif c'est le sac ouais, d'office. Combinaison invalide. Oui. D'office. Parce que déjà avec le sac, bah, je pourrais accrocher ma lanterne et je me ferais moins chier au niveau de l'éclairage. Charge incendiaire, explosif à placer dans une plaque de pression. Oui. On va tout prendre. Bon, on va essayer de rentrer à la ville avant de faire une petite pause pour aller manger. C'est quoi là-bas? C'est un mec qui se frite avec un poulet. Un poulet noir. Ouais, bah, l'argent, bah, en soi, voilà. Maintenant, le poids qu'ils ont attribué à l'argent est peut-être un peu abusé. Je sais pas trop. Maintenant, il pèse combien l'argent? Je vais me mettre ici, comme ça, je suis plus ou moins en sécurité. Il y a des mecs qui sont en train de patrouiller là-bas. Il faudra des jumelles. Alors, l'argent est à 0,1. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup, par contre. Ce que j'ai farmé, je pense qu'il y a peut-être moyen d'obtenir les pièces d'argent pour mon sac. Il faut juste que je repère où est le phare, on va prendre de la hauteur. 10 pièces, 1 kilo. Ouais, c'est un peu abusé quand même. Le phare est par là.
genre, ils auraient fait qu'une pièce, c'était 10 grammes. À la limite, c'est compréhensible. Maintenant, c'est sûrement pour te faire partir sur des lingots d'or, essayer de faire une économie. Enfin, je veux dire, c'est pour t'apprendre à économiser l'argent, je sais pas. Ah, il y a une tout seule là-bas. Toute seule, pardon. Hop. C'est pas faux ça, comment on fait? Merde, il y en avait deux. Oh, il y en avait deux. Jamais. Non, je suis mort. Non. Non, non. Les mobs, quand ils sont deux, on dirait que il y a... Oui, oui, ben... oui. En même temps, ça paraît logique. Bon, je suis mort. Je vais réapparaître... je sais pas où. Oh, fais chier. Ça, c'est une caverne de... Je suis arrivé ici. Je vois plus rien. Ouais, exactement. Ah, purée. C'est la possibilité de pouvoir frapper avec le bouclier, hein. Ça déjà ça m'aiderait un peu. Non, y a pas moyen de piller le machin. Un harpon, ouais, tissu, tissu. Non, pas le harpon, je m'en fous. Heureusement que la luminosité est presque à fond, on voit tellement bien cette... Oui, c'est vrai que... C'est vrai que ça aide. Et j'ai chopé une maladie. De la belle. Qu'est-ce que j'ai chopé? Maladie, infection, perdez 3% de votre vie par minute. Wunderbar. Ah ouais, ça se vend, c'est vrai. Maintenant, ça se vend, mais il faut encore que je sorte d'ici vivant, quoi. Ah bah la sortie est là. On se casse. Bon, maintenant, si je sors du nid, je vais sûrement être en face de 5 yens. Trop de la balle. J'ai quasiment plus d'endurance, donc je vais pas pouvoir me casser en sprintant. Ouais, ouais, je suis en pleine nuit. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Je vois absolument rien. Il y a 3 yens niables là-bas. C'était un nid de crevettes. Bah écoute, l'avantage des crevettes, c'est qu'elles font de l'électricité, donc ça éclaire un peu la zone. Quoi. Les yens, je dois dire que j'ai un peu de mal. Quoi. Dès qu'il y en a 2, je me méfie à mort. Alors 3, on évite. Ce jeu pardonne pas quand même. En plus, il commence à neiger, donc je commence à avoir froid.
Ouais, c'est ça quoi. Je sais pas à quelle distance de la ville je suis, c'est chiant. Ah, il a déjà été pillé, donc c'est que je suis pas loin. Mange une confiture si t'en as une. C'est pas faux. Mais j'en ai plus, parce que je l'ai déjà bouffé tantôt. Ou je peux faire un feu de camp. Merde, j'ai attrapé un rhume. Ok. C'est vrai que cette remarque est pertinente. Logiquement, quand tu cours comme ça, tu dois pas te réchauffer. J'ai réussi à revenir ici. Vu que je suis SDF, je vais aller à l'auberge, ça va me coûter de la thune. Ah non, c'est 25 pièces d'argent pour pioncer là-bas quoi, laisse tomber. Je me demande si je peux poser mon sac de couchage dans l'auberge. De base, quand tu cours, t'es en train d'émettre de la chaleur quoi. Comment ça se fait qu'il neige d'un coup comme ça quoi? Bonjour. Ne faites pas attention à moi, on va tester avec un. Hop. Sac de couchage. Oui, ça marche. Alors, en plus je suis près du feu, c'est nice. Quelle heure est-il? 23h25, on va dormir 8h. 9. Ouais, je suis un gros dormeur. Oui. C'est vrai que c'est pas systématique, mais je veux dire. Là, il venait seulement de commencer à neiger, quoi. La minute avant, c'était encore l'été. Tout est relatif. C'est clair que courir en plein blizzard, techniquement c'est le blizzard qui gagne. Hein, je suis toujours malade. Hein, j'ai juste faim et soif. Ok. Ah, j'ai pas de chaudron par contre. Je vais garder mes rations. Les rations sont super pratiques parce qu'elles périment pas vite. Iceman. Non, j'ai pas accès à une cuisine. Il y a un feu, je peux pas cuisiner dessus. Sirius. Peut-être que je peux lui vendre des trucs. Ça veut dire qu'en plus je vais devoir acheter des vêtements d'hiver quoi. Oui, c'est vrai que je pouvais poser le chaudron dessus. Je vais faire ça. Et en campagne, l'avantage c'est que je pourrais cuisiner aussi. Alors, je voudrais acheter quelque chose. Bon, j'ai une lanterne. Ça, je vais là. Ça aussi. Ça, j'en ai pas besoin. Ouais.
se fossiliser dans une créature des mers, ses pierres iridescentes sont utilisées pour créer une armure d'amolite. Bah, je pense pas que je vais pouvoir créer grand chose maintenant. Il me faut de l'argent. Morceau de fer. Ouais, et le sac en priorité. Alors, on va s'acheter un petit sac. Hein. Sac à dos équilibré, fréquemment utilisé par les voyageurs. Capacité 50. C'est les deux mêmes. Ok. Yeah. Oui, j'ai vendu une lanterne, mais j'en ai encore deux sur moi, donc ça c'est pas un souci. On va changer de sac. Ouais. Is there something you need? Et voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est mes poches. Je peux encore en mettre un peu dedans. Ça, ce sera pour réparer la lanterne. Hop. Oui. Voilà, on ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Hein. Bon, maintenant que j'ai le sac, j'ai combien d'argent sur moi? J'ai 37. Comment j'ai monté mes poches à 15? En fait, c'est le chiffon que je porte, comme tu dis. Le chiffon que je porte me permet d'avoir 5 poches en bonus. Enfin, 5 de poches en bonus. Maintenant, protection, temps froid, résistance 10, c'est pas énorme. J'ai un peu soif par contre. Oui, quand je l'ai trouvé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Maintenant, je m'attendais pas à voir le temps se refroidir aussi vite. Ok, bon bah, premier objectif, le sac, c'est fait. Deuxième objectif, trouver de quoi s'équiper pour le froid. Ce sera intéressant. Au niveau du froid, boisson, sommeil. Ah, je suis à 50 en ville. Ok. Ouais, c'est ça, crâne pas à côté de moi avec ton gros sac. Is there something you need? Chaudron, chaudron, chaudron. Ça c'est une unité. Chaudron. Ça coûte cher. Ouais, tu vois, ici au niveau de la monnaie, les lingots d'or coûtent 0,1 en poids. Donc en fait, quand tu arrives à 100 pièces d'argent, bah tu vas choper du lingot à la place.
sérieux? Non, ça marche pas. Ces chambres, elles coûtent vraiment trop cher. Alors, je suis à 78 sur 98, 95 sur 95. Bon, il me reste que 12 jours pour faire des pièces d'argent. On va aller farmer un peu. Scarabée au crépissé, insecte vigoureux un peu commun qui vit dans les plantes et utilisé dans les recettes avancées. Manger cet insecte aide à se protéger contre le froid. On va tuer mon ami aujourd'hui. Ça me donne une résistance au froid, plus 15 à la protection contre temps froid, ça va durer 4 minutes, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je vais essayer de farmer un peu les plantes que je trouve, si à tombe j'ai trouvé d'autres scarabées. En hiver tu vois un mec en t-shirt dans la rue qui mange des scarabées. Ouais je sais, ouais, ça paraît un peu bizarre. C'est ça l'aventure, tu vois, c'est, tu vois des choses incroyables. Au pire, tant que je suis aux abords de la ville, et pour vraiment rester dans le personnage du clodo, je vais aller poser mon camp sous les remparts, je vais farmer un peu de bois, je vais aller faire un petit feu. Et je vais cuisiner un peu tout ce que j'ai récolté. Je suis pas sûr qu'ils vont comprendre ça dans ce sens-là, parce que si t'arrives et que tu lui refiles des scarabées morts, je sais pas s'ils vont bien le prendre. Alors, comment c'est qu'on fait un feu déjà? Je sais plus. Kit feu de camp. Vas-y, mange, c'est de la bonne, ouais, c'est ça. Non, je veux pas l'éteindre. Hop, alors, il faut que je place mon chaudron. Confiture de gabeille. Fabriquer. Tartine. Alors, la tartine, confiture de gabet finement étalée sur du pain pour distribuer les effets de la confiture sur plusieurs parts. Allez alors, hein. Ouais. On sait pas récupérer le kit. Ah merde. Il faut qu'il l'utilise.
un tuto cuisine avec Clochard du 13. Bah écoute, ils peuvent aussi faire des émissions culinaires. Hein. J'ai deux sacs de couchage, c'est un peu stupide. Je peux pas le décrafter. Ok, ok. Il faut que je refasse. Ah mon dieu, un pigeon, fouillons. Non sérieux, je vais pas trop m'approcher quand même parce que j'ai pas envie de me faire poutrer. Alors mélangez des champignons douteux, des cailloux, de l'herbe et des baies potentiellement empoisonnées. Et voilà votre confiture maison. N'oubliez pas de faire ça dans un chaudron. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Et c'est le plomb hein, qui permet justement d'avoir une cohérence dans tout ça en fait. C'est le plomb qui assainit en général les poisons de base. Voilà quoi. Et j'ai fait mes études à Clochard City. À Clochard University, pardon. Alors, il y a deux mecs là-bas, ça doit pas être des potes. Il y a un pigeon là-bas, c'est pas un pote. Ça, ça doit être un camp de bandits. Je me sens vraiment pas les épaules d'aller à l'assaut de leur fortification. J'ai à peine d'avoir un nouveau sac, c'est pas pour le paumer. Hein. De faire le farm de plantes dans Skyrim quoi. Je te laisse. Ok ben bon miam. Ici je vais sûrement déco pour aller manger aussi et puis je me reconnecterai en fonction de des conditions IRL. Mais... C'est gentil d'être passé. Ça fait plaisir de pouvoir discuter du jeu avec quelqu'un. Et bon appétit. Et ben, le terrier purulent sera le sujet du prochain stream. Par contre, si je me déco ici, je meurs ou pas? C'est vraiment ça, quoi. Et boum, j'ai une lanterne. Allez, bon après-midi si on ne se revoit plus.